Bonjour à tous, je suis Mihaela et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de quiche aux épinards et feta. Une recette qui est facile, rapide à réaliser et idéale pour un repas en famille. Les ingrédients sont affichés à l'écran, mais aussi dans la description de la recette. Mettez les épinards dans une poêle avec une noix de beurre. Couvrez et laissez décongeler. Mélangez de temps en temps. Quand les épinards ont décongelé, laissez cuire encore 5 minutes. Mettez les épinards dans une passoire pour égoutter l'excès d'eau. Pour réaliser l'appareil de la quiche, dans un saladier, battez les œufs en omelette avec le sel et le poivre. Puis versez la crème liquide et le lait tout en mélangeant. Facultatif, ajoutez de l'emmental. Coupez le fromage de feta en petits dés. Étalez la pâte feuilletée dans un moule à tarte, recouvert de papier sulfurisé. Répartissez les épinards hachés et le fromage de feta sur la pâte. Recouvrez avec l'appareil aux œufs. Ajustez la hauteur de la pâte. Parsemez de fromage de feta et de l'emmental. Enfournez pendant 40 minutes à 200 degrés. Et voilà, la quiche est prête à déguster aussitôt. Si vous aimez la recette, n'oubliez pas de liker et de partager.